Werbung ist nur am ersten Tag schön, wenn man einen Verkaufserlös kassieren kann. Aber dann kommt, dass man nichts mehr hat. Man hat keinen Einfluss auf die Preise, auf die ökologische Qualität. Man hat eigentlich als Gemeinderat abgedankt. J'y ai travaillé comme responsable administratif des contrats du sud de la région parisienne qui liait donc ces villes à cette société. C'est par ce biais-là que je me suis rendu compte de dérives, de dysfonctionnements, d'anomalies graves au détriment des usagers. Veolia and Suez came to the United States and they said that privatization would be the wave of the future. La empresa Suez cobraba 700% más de tarifa que la empresa pública. Elle a augmenté le prix de l'eau et elle a diminué la qualité de l'entretien et du renouvellement des réseaux, ce qui lui a permis de faire plus de profit. Une entreprise privée n'a pas spécialement intérêt à réparer les fuites, puisque de toute façon cette eau est facturée. Donc elle n'a pas à économiser de l'eau. Pour arriver à ces objectifs de bonne qualité de l'eau, il ne faut pas qu'on ait des intervenants privés, parce que des intervenants privés ont des intérêts justement à pouvoir traiter l'eau en aval. Et puis ce qui changera, j'espère aussi, c'est la capacité qu'on a à préserver la ressource et peut-être à être dans un rapport non mercantile à la vente de la ressource, mais un rapport responsable à la vente de la ressource. Pas que Veolia soit pas responsable par rapport à la vente, mais dans un rapport où l'objectif est d'en vendre. La gestion de l'eau à Montpellier, je dirais, qu'est une gestion très nauséabonde. Il y a eu des affaires de corruption, de trafic d'influence. C'est ici, dans cette mairie, que la Lyonnaise des eaux a corrompu le maire. Elle salarie des personnes qui sont susceptibles, à un moment donné, de jouer de leur influence auprès des élus décideurs dans les marchés publics. It says that they invited a whole bunch of politicians and high officials of the administration on big yachts. In Saint-Tropez, just before the selection. C'est maintenant qu'il faut que ces collectivités reprennent en gestion publique leurs services d'eau et d'assainissement. Les 31 communes de l'agglomération, à la suite de cela, vont discuter de savoir si elles gardaient effectivement, si elles restaient en gestion ou si elles passaient en régie. De bien ou de mal, mais c'est de revenir à la régie municipale, c'est plutôt quelque chose qui commence à se faire, puisque même la ville de Paris vient de le faire. Petit à petit, de reprendre le contrôle du service, reprendre la maîtrise du service de l'eau à Paris, donc le contrôle revient à la mairie.